to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Costco puis on s'en va faire nos courses. Donc, comme d'habitude, je vous ramène avec moi. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Donc on a fini, là on est dans l'auto, on est en train de manger, puis dès qu'on arrive à la maison, on vous montre ça, on a rempli 2 chariots, fait qu'on a plein de stocks à vous montrer, donc sur ça on va continuer à manger, puis on se revoit à la maison. On est de retour à la maison, donc avant que je commence à vous montrer cette méga haul Costco, parce qu'on a énormément de choses comme je vous l'avais dit tantôt et on a rempli 2 chariots, je voulais vous dire que je vais faire un concours dans ma chaîne et je vais faire tirer une carte cadeau de 50$, donc ça va être une carte cadeau de votre choix, ça peut être Visa, Mastercard, et une carte Amazon, Apple, et une carte cadeau de votre choix. Et pour pouvoir participer, il y a 2 conditions. La première, ça va être de vous abonner à ma chaîne. Puis la deuxième, c'est de laisser un commentaire sur cette vidéo-là pour me dire c'est quoi la carte cadeau que vous aimeriez gagner. Puis les gagnants, je vais l'annoncer dans mes prochaines vidéos. Donc, restez à l'affût puis écoutez mes prochaines vidéos parce que le nom du gagnant ou la gagnante sera dévoilé dans une de mes prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, je commence à vous montrer tout ce qu'on a acheté. Je sais pas comment je vais faire, je vais vous montrer comme il y a énormément de choses. Des choses que j'ai plus près de moi. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est du lait au chocolat parce que les enfants ils aiment beaucoup ça. Surtout le matin, ça fait un bon petit déjeuner accompagné avec des toasts ou quelque chose d'autre. Oups, ça tombait.
Après ça, j'ai acheté de l'origan comme ça. J'adore ces grands formats parce que ça dure longtemps, puis c'est vraiment pas cher. Puis on n'a plus à penser à acheter des épices quand on les achète dans des grands formats comme ça. Ensuite, j'ai acheté des escalopes de veau. Ça, c'est super bon pané. C'est excellent. Je vous recommande ça. Après ça, j'ai pris mon petit fromage Tex-Mex que j'adore. Ça vient en un paquet des deux. C'est vraiment pratique ça aussi. Après ça, on a pris du bon pain baguette. C'est frais, ça sent bon. Super bon ça aussi. Après ça, comme d'habitude, mon mari, il s'est pris une millefeuille. Moi, j'aime pas ça, mais lui, il raffole sur ça. Après ça, un méga gros sac de Cheetos. Ensuite, ça, c'est quelque chose de vraiment bon. C'est des macarons, mais vous pouvez voir, les enfants, ils ont déjà commencé à les manger. Puis, je trouve que pour des macarons qui ne sont pas vendus dans une pâtisserie, c'est très bon. Je trouve qu'ils sont vraiment bien réussis, donc je vous les recommande aussi. Ensuite, je me suis pris un petit paquet de masques réutilisables. Parce que ça a l'air que c'est mieux les réutilisables que ceux en tissu. Moi, j'en porte en tissu, mais j'étais en train de lire qu'apparemment, ça, c'est mieux. Après ça, j'ai pris un petit paquet de sous-vêtements pour Sophia. Il y en a, je pense, 9. Donc, c'est des beaux couleurs. C'est beau. Après ça, j'ai pris des choux de Bruxelles, des framboises, des fromages Fisello, les enfants y adorent ça. Donc un gros paquet, c'est bon comme ça. Ça aussi, on l'oublie. On sait qu'on a ça, on l'oublie. Après ça, j'ai pris des bananes. Après, on a pris un petit dessert. C'est des panna cotta au caramel. Et ça aussi, ça vient dans des petits verres en vitre. Donc on peut réutiliser les verres par la suite. Puis c'est vraiment bon. Ça quand même un goût, genre comme si on est en train de manger un dessert au restaurant. Ensuite, on a pris du thon dans l'huile, je crois, oui, c'est ça, du thon dans l'huile d'olive. Après ça, du shampoing. Nous, on prend tout le temps les shampoings là-bas parce que quand même, on est 6 personnes, donc ça passe assez vite. C'est sûr que les deux petites, ils prennent pas ça, mais sinon, ça passe assez vite. On a pris un gros filet de saumon. Moi, ça, c'est mon poisson préféré au four. C'est tellement bon avec de la crème. C'est vraiment bon. Ou même avec du sirop d'érable. D'ailleurs, je pourrais vous faire une recette si vous voulez. Viande comme ça. Des poitrines de poulet. Puis ça, moi, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais on les sépare dans des sacs Ziploc puis on les congèle. Donc, c'est vraiment bon. J'ai pris une mélange au pain de banane. Normalement, moi, je fais moi-même mon pain aux bananes, mais je trouvais que c'est bon, puis c'est... Ça prend pas beaucoup de choses, puis qu'est-ce que j'aime, c'est parce que Sophia, elle va pouvoir les faire, elle, parce que maintenant, elle est dans une phase qu'elle veut faire des desserts, puis toutes ces choses-là, puis je trouve que des fois, c'est compliqué de devoir faire nous-mêmes des recettes, puis avec ça, on se casse pas la tête, puis ça fait son affaire à elle, elle est contente de le faire. Deux sacs de pain comme ça. Ça aussi, moi, je le mets au congélateur. Ensuite, des croissants. Ça, c'est les meilleurs croissants au monde. C'est tellement bon. Des pizzas. C'est des formats individuels. Ensuite, j'ai pris des mini saucisses comme ça. Ça, ça va être vraiment bon. Maintenant que c'est la semaine des relâches puis que les enfants ils vont dîner à la maison, je trouve que ça, c'est un bon petit dépanneur. Paquet de popcorn, c'est des sachets individuels qui est à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est super pratique. Encore du poulet, mais ça, c'est des cuisses. Du jus. Gros paquet des asperges. Du fromage. Ça, c'est mon fromage favori, Avarti. C'est crémeux, c'est super bon. Après ça, j'étais vraiment contente que j'aille trouver ces petites bananes-là. C'est comme des bébés bananes. Et ça s'appelle Bananitos. Puis je trouve que ça, c'est super. Parce que moi, ici, les petites filles ont tendance à vouloir prendre une banane. Puis ils vont pas la finir parce qu'une banane, c'est gros. Mais les deux, ils veulent une banane ou complète. Ils veulent pas partager. Donc ça, je pense que ça va être parfait. C'est tout petit. C'est super cute. Et du beurre non salé pour mes gâteaux que je prépare.
Ensuite, la vache qui rit. Raisin. Ça, c'est les meilleurs raisins au monde. Si vous ne les avez pas essayés, essayez-les. Et ça fait longtemps que je voulais les essayer. Puis chaque fois que j'allais au Costco, il n'y en avait pas. Parce que chaque fois qu'ils le ramènent, ça part super vite. Puis ma soeur, elle en a acheté. Puis elle m'a ramené un paquet. Puis c'est malade. Là. Comme on a fini tout ça et d'une seule fois. Ça goûte, ça dit raisin au barbe à papa. Je dirais pas que ça goûte la barbe à papa, mais ça goûte comme les ananas et les mangues. On dirait que c'est un mélange d'ananas et mangue. C'est super bon. Les petits gâteaux comme ça, ça aussi, vous le mettez au congélateur, puis vous le sortez 2 minutes, puis ils sont déjà décongelés, puis c'est vraiment bon. Et filet de poitrine de poulet et tempura. Donc ça a l'air bon sur une petite salade. Je pense que ça va être. Ensuite, des œufs. Ah, des fraises, elles sont énormes ces fraises-là. Ici, on appelle ça des zucchini, mais je sais que dans d'autres pays, on dit des courgettes. Donc, moi, ça aussi, je trouve que c'est super bon. Ziploc, c'est toujours bon avoir ça à la portée de la main. Après ça, on a pris du yogourt. Ensuite, on a pris un bébé melon d'eau, un mini melon d'eau. Sauce à spaghetti. Mais moi, mettons, je rajoute des légumes, je rajoute de la viande hachée et puis tout ça. Après ça, on a pris 3 paquets de viande froide, des patates, salade ou poulet qui est déjà prête. Ça aussi, c'est super bon. Un mélange de noix. Yogourt comme ça. On a aussi pris du détergent, mais ça, je ne l'ai pas monté parce que c'est vraiment lourd puis il faut que je le redescende de toute façon. Puis, on a pris du Pepsi. Puis aussi, je suis allée dans un autre magasin. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on a acheté. Urban Planet. Puis, j'ai trouvé ça. C'est tellement cute. C'est comme un set. C'est les chandails comme ça. Avec des pantalons. Avec des pantalons comme loose. Puis, c'est full confort. C'est super doux. Puis, ça fait longtemps que je me cherchais quelque chose comme ça. Fait que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, je dois le prendre. Puis, en plus, c'était vraiment pas cher. Il y avait 50% de rabais. Et surtout, puis, je me suis pris lui aussi. Mais ça, c'est plus pour l'été. Ça, c'est un chandail. Puis, ça venait, mais non, ça venait pas avec, mais il y avait les shorts aussi. Donc, ça, c'est vraiment cute pour l'été. Puis, mon mari s'est pris un paire de shorts roses. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes petites achats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour participer à mon concours. Puis laissez-moi un commentaire, puis dites-moi c'est quoi la carte cadeau que vous aimeriez gagner. N'oubliez pas, c'est une carte cadeau de 50$. Même si vous êtes dans un autre pays, il n'y a pas de problème. Je peux vous la poster ou je peux vous donner les codes par message interne de la carte cadeau. Donc n'oubliez pas de me dire si vous voulez Mastercard, Visa, Apple, Amazon, et peu importe la carte que vous voulez, dites-moi-les en commentaire. Puis on se reparle bientôt, puis restez à l'affût sur mes prochaines vidéos pour savoir c'est qui les gagnants ou la gagnante. Sur ça, je vous dis merci encore de m'avoir écouté, puis on se reparle bientôt. Bye!